Mesdames et messieurs, bonjour, tout de suite le dossier du jour. En 2020, de nouveaux logements, de nouveaux concepts architecturaux seront inventés. L'espace étant restreint, les terrains coûtant cher. En termes d'habitat, l'ère du pavillonnaire et de l'individualisme se voit définitivement révolue. De toute façon, il n'y aura plus de place. Je me tourne vers notre invitée Rose, qui aura, je crois, 16 ans en 2020. Rose, bonjour, comment imaginez-vous l'habitat dans le pays rennais en 2020? Excusez-moi. Oui, oui, un problème d'antenne. Allô? Allô? Merci Rose. Tout de suite, un reportage de Joe Pintomaya. C'est notre papa. En 2020, il va y avoir des nouveaux immeubles. Des immeubles jaunes, rouges, comme le ciel. Des nouveaux immeubles. Des immeubles avec des formes bizarres. En rond. Oh ouais, en rond. En forme de boule. Ce serait mieux, toujours mieux de maintenant. En rond ou en demi-cercle. En demi-cercle. Non, je préfère avec des formes de vase. En forme de vase, moi j'aime bien. En zigzag, moi j'aime bien. Oh ouais, en forme de biscornue. Pourquoi pas des formes en U, en A, B, C, D, E, A, B. En Z plutôt, c'est rigolo. Ben non, celui qui habite au but du Z, pour qu'il descende, il faut qu'il fasse ça, ça, ça. Il veut faire en I. Ah ouais, pourquoi pas en I avec un point dessus. Non, t'es fou, c'est déjà en I, c'est moche. Ah ouais, des appartements comme des Lego. Ah non, en cube là. Ah ouais, c'est le Rubik's Cube. C'est le Rubik's Cube qui prend la tête. Ah ouais, comme ça on peut changer d'étage et de voisin tous les jours. Des immeubles avec des roulettes, ça serait rigolo. Ah oui, des routes tractopelles, comme ça on pourra dépasser les immeubles. Ah ouais, c'est cool, on pourra changer de quartier tous les jours. Sacré vergneux, on est mal. On mettra le théâtre et les champs libres sur des roulettes, comme ça, ce sera eux qui viendront chez nous. Ce sera eux qui se déplaceront, c'est pas nous. On aura des pistaches en bas chez nous. De toute façon, il faudra arrêter de mettre des maisons au milieu des jardins. Il faut les coller, les maisons, et mettre le jardin devant. Ça prend moins de place. Comme ça, il y en aura pour tout le monde des maisons. Il y aura des tapis en roulant partout pour pas qu'on se fatigue. Et pour les gens qui sont un petit peu vieux et qui ont mal aux jambes, ils pourraient se promener. Ah ouais, il aura de la place dans les rues. De toute façon, il n'aura plus de voiture. Bah, s'il n'aura plus de voiture, il n'aura plus de parking, alors. On pourra mettre la pelouse. Pour un jouer au foot et au skateboard. Et pour les filles, il y aura quoi? Bah, des bancs pour nous regarder jouer et discuter entre vous. Un truc de fric, quoi. Oh, bonjour au niveau des garçons. Il y aura des voitures volantes et des navets spatiales. Il y aura plus de train, on attirera à la gare. On partira en vacances sur d'autres planètes, étudier à la télé. Sur d'autres planètes, les extraterrestres, ils viendront en vacances chez nous. Moi, ça me fait peur. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. Moi, je voudrais qu'il ait une piscine à la place de la mairie avec des toboggans. Toboggans.
piscine des vagues et des plongeoires aussi. Ou une piscine à bulles. Ah oui, place de l'Amérique. Ah ouais, si il pleut l'hiver. Bah ouais, on mettrait une bulle en plastique dessus. Bah non, moi je préfère qu'il y ait une plage avec des palmiers sur la place de l'Amérique. C'est possible, il faut emmener plein de sable en camion. Ouais, c'est bien une plage avec des palmiers l'été. Ou avec des cactus. Moi j'aime bien des cactus. Ah non, t'es plus sapi. Ah non, ça sera une ferme, une ferme avec des vaches, des cochons. Il faudra des poules et des coqs dans la ferme. Ça sera ouais, pas une ferme. On pourra mettre des singes aussi. Des singes, ça sera un zoo. Ah ouais, on pourra mettre des girafes. Des girafes. D'abord, avec des lions, avec des tigres, des éléphants et des petits kangourous. Des crocodiles. Des fous, ça me parle, des crocodiles. Ou des autres, je crois que ça s'appelle des émeus. N'importe quoi, pourquoi pas des dinosaures. Ou des triceratops. Des triceratops. Non, si les dinosaures s'échapperaient, ben, ça serait la galère aussi. T'inquiète pas, il a des gardiens, je t'avoue. De toute façon, en 2020, c'est nous qui décidera.